L'hôtel Montesco, c'est un très très beau bâtiment. Je trouve qu'il fait partie de la mémoire de Chartres. Et nous, notre idée, c'est de l'intégrer dans un site contemporain et de créer un dialogue entre le nouveau bâtiment que nous imaginons, le bâtiment fonctionnel avant tout, et puis le bâtiment existant. On est rentré dans une période d'écologie, donc économie d'énergie. Économie donc en ce qui concerne la lumière, le chauffage, le froid, l'isolation. Donc c'est certainement un des points qui modifie le plus aujourd'hui l'architecture. Notre décision de ne pas déplacer la mairie, de regrouper les services en cœur de ville, c'est une idée géniale pour redynamiser le cœur de ville. C'est-à-dire que vous allez avoir 500 personnes qui vont venir travailler en cœur de ville. Plus combien ? 500, autant ou le double de visiteurs par jour. Donc imaginez 1500 personnes qui vont aller et venir entre le centre-ville, la périphérie, qui vont aller dans les commerces, sur les terrasses des cafés, comme nous, on vient de sortir, on était sur une terrasse de café. Les gens qui vont vivre là-dedans, qui vont aller dans la rue piétonne, qui vont acheter, qui vont consommer. Je pense que c'est une idée géniale, plutôt que de faire ce qu'on appelle souvent une mairie annexe, qui regroupe les services à 800 mètres du cœur de ville. Je trouve que c'est une super idée d'avoir le culot de mettre en cœur de ville ce regroupement d'activités.